concerné et déclaration Martine Moïse qui est ancienne première dame veuve souvelée madame Jovenel Moïse environ 2 semaines avant date assassinat président Jovenel Moïse madame Lee. On a parlé de madame Martine Moïse eh bien bye chaîne télévision française La Fraise 24 une interview n'entretient ça ancienne première dame république là critiqué ça les manque de volonté gouvernement Ariel Henry pour mener bon genre enquête yon façon pour lumière capable faite sur assassinat Jovenel Moïse Martine Moïse qui dit li gagne l'idée sous vrai assassin Marilio, si yon passe ti ben nan bouche li kapale. Toutefois, li pa décidé si te non personne. Yon façon d'après ça le dit pour éviter li déranger enquête là, c'est une quoi déclaration. Pour ancienne première dame nan, condamnation Rudolf Jarre, c'est yon pas nan bon direction. Jose Varin, abdi nou plus. Après un tel choc, on ne peut jamais dire qu'on va bien. Mais je prends soin de moi au fur et à mesure et au jour le jour. Et il faut dire que j'ai le support de toute une équipe. L'autre fois encore, Martine Moïse accordé une interview à qui on média international. Fois ça, c'est France 24, une chaîne télévision française qui t'a posé question. Avec ancien président Jovenel Moïse. Je prends des précautions, je ne fais plus de rencontres. Dans l'interview, ça, ancien premier dame République, là, tout n'est sous cas assassinat ancien chef d'État, sans lire pas trop de détails, sous circonstances, quitte à la cause Zaksa. Je ne dirai jamais, je laisserai, comme l'enquête est en cours, je laisserai aux soins, le soin aux enquêteurs de lui. Martine Moïse, qui t'est paraître prudent pendant toute interview, ça, dit-lui quoi la justice a triomphé quand même. Qui est-ce qui touille Jovenel Moïse? Présentateur émission Entretien Marc Ferelman posait question ça à l'ancien premier dame république là, qui était choisi répondre dans un langage voilé. Mais tout ce dont je suis sûr, c'est que la vérité verra le jour. C'est qu'à la fin de la journée, tout le monde saura qui a fait quoi. Pourtant, l'idée gagne l'idée, sous qui monde qui commet Zaksa. Dans le matin bien bonnet 7 juillet 2021, yon commando qui gèla dans plusieurs mécénés colombiens envahit résidence privée président Jovenel Moïse dans Pèlerin 5. Ancien président tiré ses voix plusieurs balles, Martine Moïse, terrible échappé en bas à Taxa. Qui t'a parlé anglais, avec espagnol, qui t'a gagné un gros âme fan fois dans le monde. Souvenir moment tragique ça a toujours été gravé dans mémoire. Martine t'a semblé tendre et puis ouais plusieurs bagailles dans le moment même c'est n'ayant t'as exécuté Maril. Mais pour pas empêcher travail investigateur, Lydie l'épitorité en silence. Pendant l'y fait connaître, l'y pas fait confiance à l'équipe qui est sous pouvoir. Le gouvernement actuel qui semble être impliqué, donc ça n'avance pas fort en Haïti. Assassinat ancien président Jovenel Moïse là semblait à qui on devinette. Parce que 2 ans après, il est difficile pour jouer notre principal lieu. Plusieurs personnalités qui t'agent sans président sous Douetio déjà passé devant un juge d'instruction, alors que dossier a continué à marquer pas sous place. Yon l'autre bord, la justice dans le pays Tonton Sam qui a 11 autres monde qui a acquisé dans planifié assassinat 58e président. Yon nan yo, c'est Rodolphe Jarre qui était déjà plaidé coupable. Terre ses voix sentencées devant juge fédéral Ose et Martinez qui condamnait la vie. Pour Martine Moïse, c'est une étape importante. On doit l'ajouter, justice ça de fait, non peuple haïtien. C'est avant tout pour le peuple, parce que le peuple doit enfin faire son deuil. Donc le président Jovenel Moïse doit trouver justice. On a fait remarquer, actuel premier ministre de facto Ariel Henry, accusé, comme quoi, il a participé à assassiner ancien chef l'État. J'ai moi personnellement porté plainte contre le chef de gouvernement en place. Donc, d'après ces enquêtes, il est impliqué. Donc, c'est pas moi qui le dis. Jose Varin, Caraïbes FM. Merci un peu, Jose Varin, pour le reportage ça, qui vient pour l'interview. Ça, Martine Moïse était by yon télévision française qui était diffusée hier. C'est France 24.